vrai que c'est un petit peu catastrophe là. J'espère que vous allez mieux que cette famille aujourd'hui, puisque ils ont faim et j'ai plus rien dans le frigo. Là, il est en train de préparer à manger. J'espère qu'il aura fini à temps. Comme vous avez pu constater, Julien a mangé des restes, mais c'est pas grand chose. Il a encore beaucoup faim. Ah, voilà. Faut qu'ils aillent prendre des restes, prendre une portion. Prendre une portion et très très rapidement. Faut vraiment qu'il aille manger très très rapidement avant qu'on vienne le chercher. Ce serait vraiment triste si cela devait se produire. Ce serait vraiment dommage. Une fois qu'ils se sont servis, on peut le mettre dans le frigo. J'ai peur, hein. C'est limite. Hein. J'ai même eu un message là dans les notifs qui me disait attention, hein, les gardiens de la paix peuvent venir chercher votre enfant puisqu'il a très très faim, faut bien s'en occuper quoi. Voilà. Du coup, les deux là, ils ont besoin d'un petit peu de social, donc on va les faire discuter ensemble. Quant à toi, hein, tu vas arrêter ça. Tu vas envoyer un petit SMS de bonheur à Jules. Si tu vas l'harceler aujourd'hui, hein. Il faut qu'elle s'entraîne à écrire. C'est quoi ce machin là? Ah. Ok, c'était un début de bouffe qui n'a jamais fini. C'est très bizarre. Angel, c'est une magnifique journée, sortons. Non, ça ira. Ah, c'est bien. Ok, hop. Sous forme de biberon, j'arriverais pas à le mettre dans la poubelle. Allez. S'entraîner à écrire. Est-ce qu'on peut... Oh, toujours pas déposer un morceau. Peut-être qu'au bout d'un moment, on arrivera à le faire. En plus, pour 50 points, franchement, je me bloque le truc pour rien. Regardez une série télévisée romantique, c'est ça? Ouais, romantique. Regardez... la chaîne... romance. S'entraîner à danser devant le miroir. De quoi? À danser? À danser devant le miroir. Un miroir posé au sol. Non, on en a pas, donc laisse tomber. Regardez Culture Monde, le truc rien à voir avec romance, mais pourquoi pas. C'est quoi ça? C'est une blague salace à quelqu'un. Lol. Ouais, est-ce que ça va mieux les bambins? Alors lui, il avait très très envie de dormir. Oui, mais lui, faut qu'il aille dormir. Faut qu'il arrête de jouer, ça va pas. Ah, ok. Le truc est bloqué. Bon, ça va être l'heure pour eux d'aller me faire gagner de l'argent en allant pêcher. Lui. Va pêcher. Oui. Tôt ou tard, va falloir que au moins l'un des deux adultes se barre pour que si je tombe, enfin si je fais tomber enceinte Angel, qu'elle puisse avoir des triplés, avoir la chance de pouvoir peut-être avoir des triplés. On a le terrain, on a le terrain, elle a le très fertile, donc voilà, ce serait pas mal. Améliorer sa compétence écriture. Bah, écoute, on va lui demander d'écrire, écrire un livre du genre pour les enfants. Encore, oui. En plus, elle a besoin d'augmenter sa compétence, donc c'est pas bien grave. Les bambins, on est tranquille, je pense, pour un bon moment, ils sont vraiment très fatigués. Les adultes, ils sont en train de pêcher. La maman, elle est en train d'écrire un livre. On est un petit peu tranquille, on est en période de... Voilà, ça va mieux. Mais il faut faire surtout très attention à la bouffe. Il faut vraiment que je refasse encore de la bouffe en plus. Oh, mur de notification plein. Ok, bah écoutez, on va enlever tout ça. On va tout, hop, enlever. Et voilà, c'est beaucoup mieux. Il va falloir vraiment que... Ça, il faut que je déplace parce que ça, ils n'ont pas accès. Ils n'ont pas accès et c'est dégueulasse. Alors vraiment que je le déplace. Là, on va laisser dormir. Elle, ensuite, il faudra qu'elle aille aux toilettes. Il faudra qu'elle aille prendre des restes. Et il va falloir qu'elle aille prendre une douche. Et qu'elle aille dormir. Voilà.
Un planning très chargé. Va limite se faire pipi dessus avant de finir d'écrire son livre. Un pipi sur sa chaise. Et quant aux enfants adultes, ça va encore, on peut laisser un petit peu pêcher. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ouh là là, je vois qu'il y a des poissons. Là, ça rapporte pas mal. Mais avant ça, reproduire les grenouilles. 15 ailes, fait reproduire les grenouilles. Toujours les grenouilles. Voilà, un petit peu de pêche, ça nous fait gagner un petit peu d'argent. Bon, c'est franchement, c'est... La prochaine fois, je pense que je ferai de la peinture, vraiment. Ça, c'est moins chiant, je pense. Ils sont pas obligés d'aller aussi loin et... Non, je pense qu'on fera de la peinture. Alors, on va dire que les enfants sont limite exploités à la chaîne, quoi. Dès qu'ils deviennent des enfants, ils vont aller pêcher. Dès qu'ils deviennent des ados, ils vont commencer à faire de la peinture, lol. Mais c'est vrai que là, non, c'est vraiment juste le début. C'est un petit peu chiant au niveau des sous. Mais c'est vrai que, faut dire ce qu'il y a, j'ai pas choisi la voie la plus facile en faisant de la musique, surtout du piano, parce que je pense que si j'aurais fait comme Wendy, auteur de best-seller, ça aurait été, je pense, quand même plus simple. Ok, on va lui demander de rentrer pour aller dormir, elle. On aurait gagné quand même beaucoup plus d'argent comme Wendy, quoi. Là, c'est vrai que j'ai pas... Franchement, j'aurais pu faire mieux. Mais bon, on découvre aussi de nouvelles branches dans comment gagner de l'argent. Différemment, parce que franchement, si on faisait toujours de la peinture, qu'on faisait toujours auteur de best-seller, bah, au bout d'un moment, bah, on va commencer à s'emmerder quand même, hein, faut le dire. Bah, tiens, il va revenir, il va servir le dîner gratin ou ta 43ème flouze. Bon, c'est pas grave, il aura pêché assez d'argent. Pêché de l'argent. Genre, les gens, ils vont se mettre à pêcher des billets de 50, hein, ce serait pas mal. Là, je me reconvers. Oh non, le frigo est cassé. On va le réparer tout de suite. Hein. On va le remplacer carrément, on va pas perdre notre temps. Gratin ou tacos. Ah bah ça en fait de la pêche, hein, ça en fait. Est-ce qu'elle... Ouais, elle va se réveiller. Et on va lui demander de continuer d'écrire son livre. Vraiment qu'elle se focus sur ses livres et tout. Je sais pas si elle a eu... Est-ce qu'elle a eu son truc? Ah, devenir enjôleuse. Qu'est-ce qu'elle veut? Parler de ses rêves à quelqu'un. Ok. En plus, elle vient de se réveiller, ça tombe bien. Tu vas aller parler des rêves. Oui, hop, ça. Quoique, on va le laisser là, parce que peut-être que les enfants, ils ont commencé à avoir faim. Bah écoute, toi oui, donc tu vas aller prendre une portion. Toi, tant qu'à faire aussi, tu vas aller prendre une portion. Et toi, une fois que tu auras fini de manger, hop, hop, et hop. Bon, tu veux pas finir ton assiette, non? Elle veut devenir enjôleuse. Elle veut faire quoi? Proposer un plan fou. Voilà, proposer un plan fou. Non, le repas, c'est pas la peine. Jouer d'un instrument, bah écoute... un concerto, hein, toi qui as fait, hein, tu vas jouer à un concerto. Allez, joue. Joue du piano. Tu joues déjà du piano. Voilà, encore une fois. Ah, c'est bon, ça m'a saoulé ce machin, on l'enlève. Et je rigole le lendemain. Acheter un chevalet. Ça, on va acheter parce que de toute manière, j'avais prévu tôt ou tard d'en acheter un. Donc, tant qu'à faire, on va l'acheter tout de suite. Un petit chevalet. Un petit chevalet. Hop, chevalet. Je crois que ça coûte dans les 400 simflouz, un chevalet. Ouais, 350, franchement, c'est pas. Voilà, c'est pas trop cher non plus, quoi. Ça va. On va le mettre. Tiens, on va le mettre là. Ok, c'est pas comme si on manquait de place dans cette maison, franchement, si on place bien les objets, franchement, il y a moyen d'avoir assez de place pour pas mal de... Voilà, pas mal de choses. Par contre, les deux bébés, ils puent. Alors, qui va aller faire prendre le bain au bébé? Toi, tiens.
Tu vas te réveiller, tu vas aller prendre. D'abord, tu vas aller aux toilettes. Tu vas aller prendre des restes et puis tu vas leur donner des bains parce que là, ça va plus du tout. Dans les soins donnés au bambin, tu vas donner un bain. Soins donnés en bambin, tu vas donner un bain. ça rime. Et la maman, tu as arrêté ton concerto, toi aussi à la fin. Elle ne sent pas seule à faire un concerto toute seule. Et qu'est-ce qu'elle a essayé de se mettre à composer un morceau? Non, on va pas commencer à composer là non plus. Améliorer sa compétence de danse. Ah ouais, 100 quand même, on garde. On va mettre 100. Bah écoute, danse, est-ce qu'elle est loin de... Ouais, on est quand même loin, mais bon, on va essayer de danser, hein, tant pis. Elle est en train de danser en sous-vêtements dans le salon, dans le plus grand débonheur. Ah bah tiens, il lui donne déjà un bain. Et il donne un bain à qui? À lui et... Ah, il fait popo tout seul. Ah, tu fais popo tout seul. Ah bah c'est bien, Pierre. Et elle mange. Elle a besoin de social. C'est à qui je vais donner à Pierre. Donner un bain à Pierre. À lui donner un bing. Et quant au frère, lui, franchement, il est pas mal. Il est pas mal. Allez, va jouer à la poupée. Et lui, on peut le laisser dormir encore un petit peu, je pense. Elle a bientôt fini sa compétence danse. Bon, je sais pas si ça sert à quelque chose. Tu peux pas gagner de l'argent avec la danse, quoique. Tu peux peut-être faire de représentations musicales pour faire de la danse et gagner un petit peu d'argent. Mais non, t'as pas fini de danser, toi. Non. Tu continues la danse. La fille, obligation de danser pendant 3 heures. Jusqu'à que tu augmentes ta compétence minimum. Et du coup, bah toi, tiens, elle peut pas faire... Ah, elle est trop tendue. Et pourquoi t'es tendue? Ça devrait être cool quand la musique est terminée. Mais c'est bon, il y a de la musique. Ah, là, c'est... En plus, elle est inspirée. Allez, tiens, on va faire une grande toile classique. T'inquiète pas, laisse ça ici. On s'en occupe. Ou pas. Je peux pas prendre ça. Bah, une fois que t'as fini de manger, au pire. Hein. Est-ce qu'elle a fini? Non, toujours pas. Tu vas aller danser. Toi, une fois que tu as fini de prendre ton bain, tu vas aller nettoyer. Ça, on va aller le ranger. Et elle a fini de danser. Merci bien. C'est bon, tu peux arrêter. Tu peux aller manger. Tu peux continuer à vivre normalement comme une personne normale. Ok. En train d'apprendre la vie. Oh, petit, c'est bien. Il a besoin de social. Lire un livre pour Bamba. Est-ce que ça lui augmentera le social de lui lire un livre ou pas? On va tester. Oh, c'est cassé. On va être remplacé. On va pas prendre le risque de se faire électrocuter. Reproduction de grenouilles. Bip, bip, bip. Oh, il fait des bêtises. C'est pas possible. On va laisser sa fibre artistique. Tiens, toi, tu vas vendre un collectionneur. Est-ce qu'il peut l'anguler? L'éducation, il n'y a pas. Elle peut pas l'anguler. Bon, arrête ton bazar, ça suffit. Va glisser plutôt. Ah, elle a décidé de reprendre. Bon, on va la laisser, elle a inspiré, elle a décidé de continuer. Quant à toi, tu vas du coup rencontrer une nouvelle personne. Attendez, parce que j'ai vu des gens dans la rue. Toi, tu le connais déjà. Est-ce qu'on lui a déjà parlé? Ah, elle doit connaître tout le quartier. Tout le quartier, pardon. Elle doit connaître déjà tout le quartier à la force. Oui, on va le laisser tranquillement manger. Bah écoutez, allez dormir, les bambins. Allez dormir, vous allez moins nous saouler en dormant. Voilà. La fille qui dit ça, mais c'est trop affreux de dire ça en vrai. C'est trop affreux.
Bonjour, je suis ta voisine, je me promène toujours à poil, c'est normal. Oh, mais arrête de te promener à poil. Non, mais elle peut pas s'habiller quand elle sort, au moins. Minimum, quoi. Minimum. Une enjôleuse. Ah bah voilà, elle est devenue enjôleuse. Planifier un rencard, pas le time. T'es en train de sortir devant le miroir. On n'a pas de miroir posé au sol. On va flirter avec lui. D'ailleurs, il est embarrassé, normal. Il est en train de voir une femme à moitié à poil dehors. C'est normal. Est-ce que ça a fonctionné? Ouais, ça a l'air de fonctionner. Flirter. Le flirt, il est pas passé. Bon, tant pis. Commence à écrire un nouveau livre. Ça, on garde. Ouais, va commencer à écrire parce que là, c'est terrible. Écrire. Voilà, tu vas écrire un truc. Voilà. Vendre. Fait une grande toile pop art. Elle est inspirée, on en profite. Et du coup, le frère, il va s'occuper peut-être un petit peu de la maison. Je pense que si on devait jarter l'un des deux adultes, on jartera plutôt le frère, le grand frère, puisque c'est vrai que là, on a deux déjà bébés qui sont des garçons. On manque un petit peu de présence féminine. Bon, après, elle a des compétences en cuisine non négligeables. On va d'ailleurs servir. On va lui donner de servir un déjeuner, ça le détendra. Ouais, c'est bien, elle est en train de discuter en même temps, elle est en train de faire son livre. Pourquoi pas? Là, c'est quoi? Regardez tout le monde. Ça, on peut garder. Ça, c'est quoi? S'entraîner à écrire. On peut garder. Ça, on ne garde pas. Prendre une douche froide. Ça, on peut garder. Non, pas prendre une douche, c'est prendre une douche froide. D'ailleurs, si on va lui demander d'aller prendre une douche froide directement. Voilà. Ici, on va mettre écrire. S'entraîner à écrire. On enchaîne, on n'a pas le time. Regardez Culture Monde. Regardez la chaîne Culture Monde. Ah, bah il y a un bébé qui s'est réveillé pour aller manger, c'est bien, il a pris le réflexe. Et lui, on va en profiter pendant que la bouffe, elle est là, pour lui demander de faire pareil que son autre frère. Donc c'est petit ou grand frère, lui. C'est petit bambin ou le grand bambin. Je confonds les deux, ils ont quasiment, faut dire, hein, la même tête, hein, bambin. Ils ont la même tête. Ils ont la même coiffure, la même coupe, la même tête ronde. C'est compliqué de les différencier. Au moins, s'ils avaient pas la même couleur de cheveux ou pas la même coupe, ça serait plus facile. Mais là, franchement, ils ont la même coupe, la même tête. Ils ont juste pas les mêmes habits, mais j'arrive pas à reconnaître avec les habits. Hein. Et bon. Hop, va regarder Culture Monde. Ensuite, finir de lire un livre. Flemme. Flemme totale. En train de regarder Culture Monde, ouais. Ok, envoyer un SMS de bonheur. Et ensuite, aller dormir quand même, parce que bon. Elle a même pas envoyé SMS. Bon, tant pis pour. Tant pis pour ça. Allez, go dodo. Allez, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, c'est le gros dawa, là. Ça va plus du tout. C'est le gros dawa. Tiens, va utiliser ça et va dormir. Elle va dormir avec sa maman. Tu sais, tu as ton propre lit, jeune fille. On dirait un collectionneur, aller aux toilettes, aller, d'ailleurs ça on va le mettre dans le frigo avant que ça pourrisse. Prendre des restes et puis pareil tu peux aller dormir. Quant aux bambins, bah écoutez, ils sont bien, on va les laisser faire leur vie aussi. Voilà. C'est bien parce que lui il vient et je me demande si c'est pas lui le papa, je dois comprendre peut-être que c'est pas le vampire. On a peut-être pas fait de bébé avec le vampire, du coup je ne sais plus. Mais il me semble que si, même que j'avais dit, je crois qu'on avait une chance sur deux. Alors je sais pas, franchement là, je sais même plus c'est qui fait perdre ses enfants. Mon dieu. Mon dieu. Bon allez, ils font leur vie, ils savent quand ils ont envie d'aller dormir, ils vont dormir quand ils ont envie de dodo. Quant à lui, bon, on va le laisser dodo et puis je pense qu'on va le réveiller ensuite pour faire de la peinture, tiens. Ouais, tiens, réveille-toi, on n'a qu'un seul chevalet, donc on en profite. Allez, va faire une toile, j'espère que ça sera assez rentable. Allons, bar karaoké. Non, 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 c'est bon, ça ira. Ça ira, le bar karaoké. Ouais, je pense qu'on va bientôt s'attaquer à faire des bébés. Hein. Des nouveaux bébés, donc bientôt, il va falloir faire enlever un adulte ou qu'on enlèvera Angelo. Hein. Tant pis pour lui. Bon, j'ai envie de te dire, il aura une meilleure vie ailleurs que dans cette maison. Hein. Il aura une meilleure vie ailleurs. Mais là, c'est vrai que si on s'attaque à faire d'autres bébés, ça va être compliqué. Ça va être dur.
Ah, il est en colère. En même temps, il faut qu'il aille dormir, le bébé. Ça, il est en colère, c'est parce qu'il est fatigué. Toi, tu te réveilles, tu vas prendre des restes. Ah, déposer un morceau, 3 heures plus tard. Lequel? On va mettre Jason, parce que Jason, c'est le dernier qu'on a fait. Du coup, peut-être que c'est celui avec lequel on a le plus d'expérience à coup sûr. Hein? On va aussi auto-publier ce livre-là. Et ensuite, écrire, reprendre l'écriture. Voilà. Alors... Ouais, tu nous as fait perdre plus d'argent qu'autre chose en vrai, toi. Et go dormir. Ben écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déménager. On va déménager. Ouais, on va déménager Angelo. Il va nous quitter aujourd'hui. Voilà, tu as été très utile, Angelo. Mais avant, tu nous donnes tout l'argent que t'as. On lui lessive tout son argent. Voilà, tout ton argent, merci bien. Et bah du coup, on va lui dire au revoir. On va lui dire au revoir. Il a été utile quand même pour la pêche. Il nous a quand même pas mal rapporté d'argent. Tu as été quand même un enfant assez exemplaire, Angelo. Mais on va te quitter. Bah du coup, je ne sais pas si on peut passer directement par le foyer sur le quartier pour le faire déménager, parce que c'est plus simple. Mais dans le pire des cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le téléphone. Et on va le faire déménager. Déménager le foyer. Oh non, ça va le déménager entièrement. Non, je pense qu'on va passer par le quartier. Du coup, on va aller gérer les mondes, sauvegarder et gérer les mondes. Et on va déménager. On va le laisser dans le quartier. Comme ça, s'il veut passer, il n'y a pas de souci. Parce que quand il veut, Angelo, il vient aider la famille quand il veut. Chose qui m'étonnerait parce que je pense que dès qu'il sera parti, il aura oublié sa famille. Hein. Il voudra plus en entendre parler parce que c'est tellement de dawa dans cette maison que pour lui, c'est bon. Quoi. En plus, vu que ça a été les premiers enfants, c'est pas ceux qui ont eu le moins de chance, mais c'est voilà ceux qui ont été le plus élevés dans la misère. Faut dire ce qui est. Dans la misère, mais c'est pas bien grave. Allez, on va à Oasis Springs et on va le déménager. Ici. Ça, vous allez pouvoir constater que ça fait toujours un petit peu plus de place. Gérer le foyer. On se fait des Sims entre foyers. Bon, on va déménager les autres foyers. On va les laisser à Oasis Springs. Est-ce qu'on peut pas lui trouver une petite nanette sympa quelque part, emménager avec? Ou si ça chargerait, ce serait peut-être un petit peu mieux. Bah pourquoi pas avec un monsieur? Tiens, peut-être que il a des penchants différents. Voilà. Bah écoute, Angelo, merci beaucoup à toi. Et du coup, on peut valider le premier. Du coup, je vais pouvoir au montage ajouter maintenant un petit logo, un petit quelque chose pour vous dire à combien on est de bébés validés. Parce que j'ai pas voulu mettre de compteur tant qu'on n'avait pas validé. Je rappelle, pour valider un bébé, il faut qu'il devienne adulte et du coup qu'on le déménage du foyer. Donc voilà. Donc là, ce sera un bébé validé, à coup sûr. Voilà, un bébé validé. Ça fait plaisir. Ah, ça fait quand même quelque chose, hein, ça fait quelque chose. Mais bon, ils en font encore 99, donc on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, on sauvegarde. Et ben écoutez, j'espère que l'épisode vous aura plu. Et comme d'habitude, la suite le mercredi et le vendredi à 17h30. Voilà, donc les épisodes du 100 Baby Challenge. Et moi sur ce, je vous laisse. Je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour un live ou une autre vidéo. Ciao ciao.